Bonjour, je m'appelle Alban Pilar et je suis un des cofondateurs de Jeuwaza, un organisme à but non lucratif. Jeuwaza est un organisme à but non lucratif qui crée et anime des activités ludiques, mobiles, sur les habitudes de vie durable, à la maison et en entreprise. L'origine de l'idée de Jeuwaza, c'est d'abord un constat. Le constat que beaucoup trop de produits, de procédés, aujourd'hui ne sont pas durables, que ce soit dans le choix des matériaux, dans les types d'énergie utilisés, dans les déchets générés, entre autres, tout ça dans le milieu du génie. Nous, on a voulu changer ça, on s'est dit qu'on allait créer des ateliers et des jeux de sensibilisation pour faire changer ces habitudes-là. On souhaite accompagner les entreprises et les familles dans l'adoption de pratiques plus durables, pour que de manière générale, la société soit un peu plus durable. On n'est pas un organisme qui réinvente la roue, ni un organisme qui positionne comme je sais tout, mais plutôt on propose des activités concrètes, ludiques, pour qu'à travers les jeux et les ateliers, les participants, les joueurs, puissent se rendre compte que changer ses habitudes de vie, c'est facile d'une part, puis c'est aussi bénéfique pour soi, à titre personnel, mais aussi bénéfique pour les gens qui nous entourent, puis dans une perspective d'entreprise, bénéfique pour toute une entreprise. Innovink et le centre d'entrepreneuriat PolyDM, nous, ça nous donne accès à un réseau de mentors et de personnes qui ont des expertises variées, mais très pertinentes pour nous quand on a des questions ultra spécifiques sur tel ou tel domaine. Pour nous, c'est aussi l'occasion de rencontrer un bassin d'entrepreneurs, de projets fabuleux, durables ou non, mais surtout des entrepreneurs qui partagent les mêmes difficultés et qui bien souvent peuvent nous apprendre aussi bien que les mentors. Mon premier conseil, ça serait de tout faire pour que votre produit, votre procédé, votre technologie soit la plus durable possible et surtout d'être transparent par rapport à ça. Mon deuxième conseil, ça serait de tester votre idée. Tester dès le tout début, tester votre idée. Ça nous a pris 6 essais pour arriver à ça, puis 6 publics différents. Puis c'est pas encore la version finale. Mon dernier conseil, ça serait de trouver des coéquipiers et des gens qui sont craqués et motivés à vous suivre dans le projet. Pour ma part, ça a été de trouver la designeuse la plus motivée et la plus chouette en ville.